Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un weekly vlog. C'est la vidéo spéciale des 500 abonnés, donc j'espère que ça vous plaira. Déjà, merci beaucoup pour les 500 abonnés, ça me fait très 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 plaisir. J'ai vraiment beaucoup travaillé ces derniers mois et j'y suis, donc merci beaucoup. Et là, du coup, je vous prends avec moi sur toute la semaine. En plus, elle est un peu particulière puisqu'on est le 6 mai. Donc, demain, on travaille encore. Et ensuite, c'est férié le 8, le 9. On fait le pont le vendredi. Je ne travaille pas samedi. Dimanche, je ne travaille pas. Et je ne travaille pas non plus le lundi. Donc là, il me reste demain à travailler. Et ensuite, j'ai une petite semaine avec mon fils à la maison. Donc, ça va être super bien. Donc comme ça vous aurez un petit peu de quand je travaille et quand je rentre, et vous aurez un petit peu de quand je suis à la maison avec mon fils. Donc vous verrez vraiment en fait mes journées. Ça c'est les chats qui commencent avec le bazar. En parlant de bazar, je suis fatiguée, j'ai les cheveux sales, la maison elle est fatiguée, elle est sale. Donc aujourd'hui je vais surtout tout ranger et nettoyer la cuisine, toilette, salle de bain, etc. Ensuite je vais prendre une douche et je vais aller chercher mon fils. Et demain je m'occuperai de laver le sol, comme ça sera propre pour le reste de la semaine. En plus on a des amis qui viennent manger à la maison mercredi midi. A priori il fera beau donc on va pouvoir aller se balader, ça va être sympa. Voilà. Et comme ça je sais que le reste de la semaine quand je suis avec mon fils, je peux ranger un petit peu et nettoyer un petit peu, mais je peux pas faire grand chose. Donc au moins ça sera propre. Là je vais manger parce que j'ai très très faim. Et qu'il est, je sais pas, 13h passé. Je sais même pas où j'ai mis mon téléphone. Donc voilà, donc je vais manger, ensuite je vais m'attaquer au ménage. Et voilà. Bon là on voit clairement que ça a été le week-end, il y a des jeux absolument partout. Ah, c'est waouh. Là on a une montagne de linge. J'ai deux sacs là. Ouais, voilà, là, deux sacs. Là-bas c'est en train de sécher. J'ai des draps lavés cette semaine. C'est vraiment voilà quoi. En plus, il faut bientôt que je parte pour aller chercher mon fils. Mais j'espère avoir le temps parce que, hop, avec tout ça, il est 14h passé. Là, il me reste plus qu'à tout ranger. Attends, j'ai pas nettoyé la salle de bain. Enfin, vraiment, je m'en sors pas. Je rentre un peu plus tard qu'avant et j'ai beaucoup moins le temps. Donc là, je vais simplement ranger le salon. Je vais mettre l'aspirateur en route, je vais prendre une douche en 2-2 et je vais aller chercher mon fils. Moi finalement j'ai simplement mangé vite fait et en fait j'ai juste tout laissé comme ça. Pareil de l'autre côté.
Parce que en fait, j'ai pas le temps. Je pense que c'est pas. Ah bah, il y a là-bas. Je pense que c'est pareil chez vous, mais. La semaine, c'est la course. Et encore, je sais que j'ai un peu de temps. Je sais que j'ai un peu de temps avant d'aller chercher mon fils ou avant qu'il ne rentre. Donc, oui, je sais, c'est déjà ça, mais en fait, c'est juste la course parce qu'il faut sortir le chien. Si le repas n'est pas prêt, il faut le préparer, il faut que je mange. Il faut que je fasse un peu de ménage, que je travaille sur les vidéos, que je prenne une douche. Parce que après le soir, je peux la prendre le soir, mais c'est un peu galère parce que bah, des fois, voilà quoi. Là, c'est pareil. J'ai du linge ici. Quand je vous dis que le linge, je n'y arrive pas, c'est que vraiment, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que, ok, je lave, j'étends. Mais alors après, en vrai, je sais que genre, je pourrais me poser devant une série et plier mon linge. Mais en fait, je me suis pas posée devant une série depuis longtemps. L'autre fois, pendant les vacances, la semaine dernière, mon fils dormait. J'ai mis l'ordinateur sur la table de la salle à manger et puis j'ai fait un peu de linge. Et c'est tout. Mais en fait, il s'est vite réveillé après ça. Donc voilà, là je suis à la recherche de vêtements. Alors là, j'ai un legging. On va aller sur du confort. Surtout, vous avez vu le temps, c'est une cata. Donc, hop, une petite paire de chaussettes McDo. Un petit sweat à capuche. Voilà.
Je vous retrouve donc à la toute fin de cette vidéo en voix off. J'espère que ça vous aura plu quand même. Ça change totalement de d'habitude. C'est pas une vidéo spécialement sur le ménage, c'est pas forcément une vidéo motivation. C'est vraiment une vidéo pour vous montrer un petit peu ma vie de tous les jours. Bon, là en l'occurrence, c'était sur un week-end de 5 jours. Donc vous m'avez plus vue à la maison que quand je reviens du travail, mais en même temps c'est là où j'ai le plus de choses intéressantes à vous montrer et à faire. Donc voilà, c'est simplement ma petite vie de maman qui m'occupe de la maison, du linge, des repas, de mon bébé, de moi, enfin voilà quoi. J'espère que ça vous aura plu, je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira. De manière générale, si jamais c'est le cas et que vous avez envie que je refasse ce genre de vidéo, ben je vous invite à me le dire dans les commentaires. Ça me motivera. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo, c'est pas le souci, mais je veux aussi que ça puisse vous plaire. Après, ça me demande plus de travail encore parce que je filme sur plus longtemps et que j'ai un plus gros montage à faire. Donc, ça sera pas régulier, mais en tout cas, ça peut se faire. Donc voilà. Et puis à la toute fin de la vidéo, je vous montre du coup les produits que j'utilise au quotidien et que j'ai envie de vous faire partager dans le concours pour vous remercier. Pour vous remercier de vous abonner. On a dépassé les 500 abonnés au moment où je fais la vidéo. Donc vraiment merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super super contente. En tout cas voilà, tout ça pour vous dire merci beaucoup. Et j'espère que la vidéo va vous plaire et je pourrai en refaire d'autres. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, j'espère que vous serez quand même au rendez-vous. Bon, je vous reprends quelques temps plus tard. Je suis en train de faire la box avec les produits. J'ai donc, je vous montre ce que j'ai mis dedans. J'ai pas trouvé d'autres choses en fait que je voulais. J'ai pas trouvé les produits que je voulais, mais j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai donc, attention. Très compliqué de travailler avec un bébé. J'ai donc des microfibres. J'ai donc plusieurs microfibres comme ça. C'est vraiment super. C'est pour la poussière, pour plein de choses. J'ai un nettoyant dégraissant multisurface au savon noir. J'adore le savon noir. Je trouve ça super génial. Ça nettoie super bien. Du bicarbonate de soude. Je l'utilise au quotidien, j'en prends tout le temps. J'en mets surtout dans mon seau à serpiller. Ça ou des cristaux de soude, ça aide énormément à détacher notamment les petites traces de boue par le chien. Les petites traces de boue que le chien ramène, c'est juste super génial. Ou alors la nourriture que bébé met. Partout et une pâte à récurer liquide, une crème à récurer plutôt liquide. J'ai pas trouvé celle que j'utilise qui est en pâte, mais c'est la même marque. C'est la même marque, donc je suppose que c'est la même chose ou en tout cas que c'est tout aussi efficace. Donc voilà, j'ai mis ces quatre petites choses là pour le moment. D'ici à ce que le concours soit lancé puis clôturé, j'espère pouvoir mettre d'autres choses dedans. Mais en tout cas, c'est mes indispensables vraiment au quotidien. J'utilise ça vraiment au quotidien pour nettoyer toute la maison, quoi. Donc voilà. Et je voulais dire encore merci. Merci à vous de vous abonner. Merci à vous de regarder, de commenter, d'échanger avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente de créer cette petite communauté avec vous. C'est vraiment génial. Et vous êtes vraiment d'une bienveillance qui fait vraiment, vraiment plaisir. Et je prends encore plus de plaisir à travailler sur mes vidéos. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux pour le coup. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !